je sais, c'est que je suis là. Chacun cherche son cœur avec les poings du boxeur. Loin d'être cet homme idéal et plus près de vous. Allumez le feu, allumez le feu. Oh, debout, j'aurai toujours vécu debout, malgré les insultes et les coups. Oh, que me bat contre les moulins à vent. On se retrouve quand même et toujours seul, avec un trop plein d'amour. J'ai passé le temps, j'ai pas vu passer bien avant le super événement que fut la tournée de dédicace de Johnny le 24 janvier 1998, dont le point culminant fut bien sûr son arrivée, rien moins que triomphale, au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées, bien avant la sortie formidablement médiatisée de son nouvel album, se sont déroulées toute une série d'épisodes passionnants. Ce que vous allez voir est complètement inédit. Comment se déroule la conception d'un nouveau disque de Johnny depuis le premier jour d'enregistrement jusqu'à sa fabrication dans les usines de Polygram. Installez-vous confortablement, loin des cris de la foule en délire. Ce qui suit, c'est tout simplement du jamais vu. Nous sommes en juillet 97 au studio Guillaume Tell à Paris. Un grand jour pour Pascal Obispo et ses musiciens qui vont attaquer l'enregistrement de l'album Ce que je sais, en commençant par la rythmique, autrement dit la batterie de Christophe Deschamps et la basse de Michko pour le morceau Les Moulins à Vent. Pascal Nègre, le big boss de Polygram, que nous rencontrerons plus tard, a eu la délicate attention de faire porter à toute l'équipe une corbeille de fruits en guise de cadeau de bienvenue. Alors donc voilà. Donc c'était un mot de... Ouais. Du bon patron de Polygram. Très sympa. Les casques et tout ça, c'est bon. Elle démarre, tu vois. Au studio, Pascal a bien sûr apporté les maquettes enregistrées préalablement avec sa voix, son piano et ses ordinateurs. Progressivement, les pistes seront remplacées par les instruments définitifs et la voix de Pascal par celle de Johnny. Sur le truc, moi je faisais une fois sur deux. Ouais, on laisse rien te dire. Voilà. 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 Ça, c'est bien ça. Johnny vient bientôt rendre visite à toute l'équipe à l'occasion d'un essai micro avec Steve Boyer, l'ingénieur du son américain. Et question d'écouter ce qui a déjà été mis en boîte. Tant qu'il y est, comme vous allez le constater, Johnny se laisse prendre au jeu et en profite pour enregistrer déjà quelques voix pour l'un des morceaux phares de ce nouvel album, Allumer le feu. Ok, bon, on essaie les micros, c'est quel micro là pour l'instant? Ah là, c'est au milieu, celle de milieu. Celui-là? Oui. On essaie celui-là? D'accord, on va essayer celui-là. Je vais me régler, moi.
Pour la note, là, il n'y a pas de problème. Non, non, ça va aller, quand la voix est chaude. Ouais. Attention, ce que vous allez voir est exceptionnel. C'est la première fois que Johnny chante ce titre qui fera l'ouverture de ses concerts au Stade de France. Tournez le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les parages, et sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares et lever les motos qui démarrent. Il suffira d'une étincelle pour éteindre rien et d'un geste. C'est super ce passage. Comment il est ce micro-là? Pas mal aussi. C'est assez aigu. Ouais, tu as la casse 2 minutes. Ouais. Ça, c'est celui-là. Le gros. Ça, c'est le gros, d'accord. Le truc de noir, la grosse. Celui de droite. Ouais. Écoute le 47, on finit attends. Par. Hein ouais. Ah, ouais. Forcer les portes, les barrages, ressortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son. Pas mal le micro du milieu. Hein. C'est le dernier qu'on a dit. Le dernier, oui. Parce que faudrait juste refaire cette phrase là dans le refrain et on revient dans les yeux. Et donc on reprend après le chorus de guitare, il y a un passage. Chorus. Elle est là-bas, ça on la garde. Elle est là-bas l'autre. Elle est là-bas, ah ouais. Elle s'est déjà. Omar, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait recommencer la chanson dès le début sur une autre piste, quoi. Parce qu'on a déjà la première partie sur non. Le deuxième, c'était vraiment ça, le placement. On fait le premier. Le deuxième, c'était ça. Ouais, on va parler ça. Exactement ça. Demain, je crois que tu parles. Oui. Pour la voir plus blanche. Ouais. Bien fait. Pour avoir la voix un peu blanche. Bon. Ouais. Ça va être, ça va être bien. T'as déjà détruit 3 micros, donc. Il y en a 2 qui sont pétés déjà. Quand on est enfermé jusqu'à 15 heures par jour en studio, alors que dehors le soleil brille et que tout le monde est parti ou s'apprête à partir sur la route des vacances, il faut bien s'offrir des moments de détente. Le lendemain, on attaque l'enregistrement des guitares du morceau Eldorado avec Pierre Jaconelli. Vous noterez que celui-ci, au lieu de s'installer dans la cabine, préfère se poser près de la console. Tu vois, ce qui serait bien, c'est de... De toute façon, je pense qu'il faut faire arpège et grosse guitare dans le refrain, non? Ouais. Et comment ça? Ça vaut peut-être le coup d'en faire sur le refrain pour. Je trouve l'arpège il est bien. Peut-être qu'on peut en faire une en dessous qui fasse. Faire des gros accords. Oui, il y a l'accord dessous. Je crois pas, non, sur la maquette, je crois pas qu'on l'a. Non, mais c'est bien de rentrer tout de suite avec le mur. Mur, on va mettre mur plus arpège. Hein? Ouais. Allons-y, hein. Gardons la même couleur aussi. Même chose, mais un peu différent. Pour qu'on se prenne à leur mirage.
Johnny prépare activement, en parallèle à son nouvel album, ses concerts au Stade de France. Tout a commencé par une inspection des lieux, alors même que les travaux étaient loin d'être achevés. La scène, notre problème est de la rentrer le plus possible et qu'elle aille couvrir les sièges derrière, tu vois. On va l'encastrer. Donc on viendrait à peu près. Ça c'est grand ça. Hein ? Quand on est à l'intérieur, non. Il y a taille humaine, c'est la remarque que tous les visiteurs nous font. Bon, je vois bien que les sièges, il y en a beaucoup plus, je ne sais pas. Ouais. Mais par rapport à la première fois que j'ai visité par les points, j'étais plus impressionné que la... Ah oui. Donc, quand on voit l'extérieur, on dit c'est immense. Et quand on est de l'intérieur, c'est le fait qu'ils soient en... C'est vrai que c'est immense. Ouais. Ça se voit. Bonjour, Johnny, bonne fin de tournage. Salut, ça va? Pour faire le concert ici. Ouais. T'es sûr, on va faire le concert ici. Ouais, merci beaucoup. Concert, comment? Super, on sera là de toute façon. Ok, ça. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Pascal Obispo. Je produis l'album de Johnny. Ah ben je sais. Ce jour-là, Johnny tient une forme d'enfer. Il lui suffit de quelques minutes pour se chauffer la voix et c'est parti pour une séance mémorable. On prend la route en solitaire pour conquérir comme on pourra un coin de cœur, un bout de terre pour y planter enfin sa croix. Écoutez. C'est le chemin et l'on se bat sur ses décombres comme des soleils jusqu'à la fin. Oh, toi, tu es sensible à certaines choses, moi à d'autres. Ouais. Hey, moi, j'aime, je suis sensible à. Hey, hello. Moi, c'est la fin. Et moi, c'est. Hey. Ouais, non. Non. On peut le réécouter comme ça pour le plaisir de jusqu'à la fin. Bah, c'est celui-là qu'il faut garder. Oui. Il est parfait. Là. Hier d'amour ou chasseur d'ombre, le temps ne prend qu'un seul chemin. Et l'on se bat sur ses décombres, comme des soleils jusqu'à la fin. On cherche tous l'Eldorado. Okay. Ouais, t'as raison, c'est bien. Les deux phrases sont bien. Ouais. La mienne et la tienne. Regarde le c'est bon équipe, non, la mienne et la tienne sont bien, d'accord. Bon, puisque tu l'as voulu, je vais me mettre en t-shirt. C'est chaud. Alors, on y va. Je vais finir par l'aimer, cette chanson. Je me casse. Allez, salut, hein. Tu finis ton album. Moi, je vais rentrer dormir. Je chercherai le temps qu'il faut, je trouverai l'Eldorado. On prend après l'Eldorado? Ouais. Je trouverai.
super. D'accord. 18. Bon, maintenant, je peux te refaire sur l'autre piste le début. D'accord, ok. Je voulais assurer ça. Ok, ça, c'est super. Je pense que c'est bien de monter là, étant donné que la phrase après monte. Tu vois, je veux dire. Pas de problème, ça, c'est mieux. Un à la fin, qui le sol bien parce que c'est long hein, comme d'autres. À chaque fin de séance, donc je noircis. Voilà. Donc ici nous avons l'Eldorado, c'est fait. Donc nous noircissons. Et nous n'y reviendrons plus. On fait les dépôts, on protège les champs. Alors. Et oui, la musique, ce n'est pas seulement le bonheur d'un enregistrement qui se déroule sans incident notable, c'est aussi de la paperasse administrative et pas très glamour. Good. Autre étape essentielle, un très grand moment dans la création de ce nouvel album, l'enregistrement des cordes, violon, violoncelle, alto et contrebasse, ils sont une trentaine crédités sur la pochette de Ce que je sais, donnant à certains morceaux une dimension, une ampleur magnifique. Regardez. C'est magique. Crescendo. Alors, peut-être au mezzo piano au début et crescendo. Et pas. On va faire un petit saut dans l'espace-temps. Je vous emmène maintenant à New York, sur les quais, on the waterfront, aurait dit Marlon Brando, sur les lieux d'une très belle séance photo avec André Rowe, un très grand photographe de mode, aux commandes. Ces photos, vous les avez certainement admirées dans la presse, mais voici ce qui s'est passé en coulisses. Regarde par là, comme tu as fait. Parfait.
Voilà, ça c'est bien quand tu regardes un peu comme dans le bas, comme ça c'est parfait. L'ambiance est pas mal, hein. C'est dans ce rad interlope qu'ont été shootés les splendides clichés qui ont entre autres fait la couverture du magazine Gala. Les closer. Ok, just only check that it's cold from the back. Suite de la séance photo au cœur de Manhattan. Mais quand Johnny se balade à Times Square, il n'est pas question pour lui de se perdre dans la foule. Même de l'autre côté de l'Atlantique, il est accosté par les fans en quête d'autographe. Si Johnny se trouvait à New York, ce n'était pas seulement pour une séance photo, même aussi prestigieuse, mais surtout pour tourner le clip de Ce que je sais, que vous reverrez en exclusivité à la fin de cette cassette, sous la direction de William Friedkin, qui est le réalisateur d'au moins deux classiques de l'histoire du cinéma, French Connection et L'Exorciste. Whenever you turn, come low and then bring them up. Okay? And on the last word, I'm at no. Okay. Roll sound, please. Bénéficiant pour la première fois d'un budget carrément hollywoodien, vous allez voir combien Johnny, qui est aussi un grand comédien, prend visiblement plaisir à être ainsi dirigé par un géant du cinéma américain. Mais jamais non personne. It was great. Is it good for you? Yeah. Oh, that was lovely. Okay. Thank you very much. It was marvelous. What time tomorrow? 7:30. At a different location. Okay. Trois jours de tournage par un temps très très froid, trois journées de 10 heures démarrées à la pointe de l'aube, notamment au pied des ponts de Manhattan et de Brooklyn, des endroits magiques et cinématographiques par excellence. Three is up, quiet please. Straight four, Ellen. And marks.
Jeff Allen. Action, Johnny. Way back. Way back. I was afraid to do too much. Oh, I know. But it worked very well. Yeah, oh, yeah. It's theater. No, I'm happy with that chair. You know? Yeah. You don't appreciate the beauty? But, you know. It's an antique, you know, it really costs a lot of money. Charlie, Merry Christmas. Dans une production à l'américaine, on se sert d'une doublure lumière, autrement dit d'un comédien qui prend la place de Johnny pour lui montrer, avec la directrice de la photographie, comment la lumière va jouer sur son visage. Il faut continuer, hein? Tu vois? Ok. Soit ça. Soit ça, jamais ça. We are rolling camera, please. Speeding. We have speed. And action, Johnny. Ready? Cut. What happened? Okay, I'm happy with that. That's beautiful. Need a long post? Yeah, this is great. Okay, and just take him up to the pole. Here we go. Action, Johnny. Enfin, il y a le tournage avec la fameuse actrice américaine Dale Haddon, l'héroïne du clip. Johnny, si tu passes la tête. What là-bas, you got, Johnny, là, in this shot? Ouais. Allez, une normale. Tu vois okay. Ce qui I have another bien, idea. Que chacun... I'll do it. Do it. I'll do it after. Ouais, les deux lui font une bise peut-être. Okay. Okay. Retour à Paris et à la fabrication de l'album Ce que je sais, avec cette fois l'arrivée de Johnny au studio Mega où se déroule le mixage. Il y retrouve son pote Florent Pagny, venu lui rendre une visite amicale. Yeah. Mais moi je vois que t'es arrivé au moustache quand même. Mais toi tu m'as fait, mais rase-toi. Bah, tu vois, il y a que les cons qui changent pas d'ailleurs. C'est ce que j'arrête pas de dire sans arrêt parce que je cherche tout le temps ma vie. Et alors, ça va bien? Ouais, très bien mon pote. Ouais. C'est bien moi. Tu recommences à cartonner là? C'est, on a remis la machine en route. Ouais, on est bien, on s'est bien associé, tout va bien. Non, c'est le bon plan, c'est le bon plan. Bon, quand est-ce qu'on le fait ce trio? Mais écoute, t'as la chanson? Mais oui, ouais, il veut nous faire écouter une chanson à chanter à trois. Mais pour un truc de ouf. Ouais, si on chantait la chanson de la Coupe du Monde. Il va falloir que tu chantes fort. Hein. Ouais, je sais, mais je sais. Ou alors qu'il joue vraiment du piano parce que. Tout à l'heure, il nous a fait un truc. Non, mais je suis débutant, vous êtes des professionnels. Et oui, bah c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle... Faut être complémentaire. Hein.
Bon, si vous mettez tous des lunettes, je vais mettre les miennes. Ouais, bah. Les plans mais t'as vu là. Si vous avez vu le formidable Fréquence Star que Laurent Boyer a consacré à Pascal Obispo sur M6, voici cette fois les images de ce qui s'est passé en coulisses, y compris l'interview de la star à propos du fameux duo Hallyday-Obispo sur le morceau « C'est la vie qui veut ça », parole de la très délicieuse Zazie. Johnny, y a, le nouvel album est réalisé par Pascal Obispo. Toi, tu l'as fait chanter, il chante avec toi sur ce disque. Oui, je lui ai, il voulait pas au début, c'était pas prévu. Je lui ai dit, écoute, c'est quand même, c'est dommage, on est quand même deux chanteurs avant tout, faisons un duo ensemble. Alors, il a écrit une chanson et on a fini par faire un duo ensemble. Lui, il a chanté un peu plus fort que d'habitude et moi un peu moins fort, mais et finalement, nos voix s'accordent très bien. J'ai vu la nuit tomber sur nous. Vu le mal sans voir le reste, croiser des mondes privés de tout, voulu le bien sans faire le geste. Je mets l'image, mais pas le son. J'y mets la forme, mais dans tous pareils, ici et là-bas, même soleil, même combat, même voyage pour toi et moi. Oh, oh, oh. La vie qui veut ça, ah, la vie qui veut ça. Ok. C'est bon ? Bon ? Très bien, parfait. Oui, j'ai travaillé avec Johnny il y a 5 ans sur Sans chance par un homme. Et puis, il m'a parlé de dire qu'il était à New York sur son bateau. Et moi, j'habite à New York. Et puis, il m'a appelé pour dire bonjour. Et puis, oui, je suis en train de commencer un nouveau disque. Est-ce que vous serez intéressé de travailler dessus ? J'ai dit oui, j'aimerais bien. J'ai rencontré Pascal, comme ça, on s'est bien entendu. Et puis, commencer à travailler comme ça. Alors, ce que j'aimais bien, c'est de travailler en France. Et de Pascal, il est très bon. Il me laisse trouver les sons un peu bizarres, un peu des choses. Alors, cet album-là, j'ai vraiment se mettre à faire un truc un peu différent, quoi. Prendre des risques avec le son, le niveau de son et tout ça. Et c'était vraiment bien pris. He was very open to suggestions on sound. So, ah non, attends, les femmes qui mettent des sous-titres. Ah bon ? Ouais, c'est vrai qu'on a essayé d'aller au bout, de pas se donner de limites. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Nos limites, qui a écrit Didier. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de limite au niveau du son. On s'est dit, on fait à l'idée, allons à fond tout le temps. Donc au niveau des textes et au niveau de la musique et au niveau du son, c'est-à-dire que c'est vrai que le son est énorme, donc on a essayé de conjuguer le tout, quoi. Paroles en français, mélodie et puis son gros son et la voix de Johnny, et ça donne quelque chose qui nous plaît bien, quoi, c'est pour une l'instant. Bonne équipe, quoi. Voilà, une bonne équipe. C'est important de travailler en équipe parce qu'il faut dire aussi que tous les musiciens, c'est les musiciens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler sur scène, qui m'accompagnent en tournée, et on a décidé de faire l'album plutôt que de faire, parce qu'en général ça se fait comme ça, une semaine de batterie, une semaine de basse, ouais, une semaine de clavier. On a décidé de se réunir tous et de faire un album de groupe. Ouais. Son de groupe. Il est français, mais il vit aux États-Unis. Il est unanimement considéré comme le plus grand photographe de mode aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous présenter Patrick de Marchelier. J'ai le cœur fatigué, j'en ai envie tendre mes vachers. Que belle voix, j'ai pas vu passer. Patrick est venu shooter au studio Mega les photos de la pochette et du livret de l'album avec un Johnny beau comme un camion. Tous les deux jouent sans micro au milieu, non ? Ça fait une photo de tous les deux en train de... Si je sens mieux
pour nous. Ce que je sais, je ne sais pas. Ce que j'en sais. On était la première fois qu'on était derrière la console avec Steve et que Johnny a chanté. Bon, il se chauffait un petit peu et tout d'un coup, Johnny s'est mis à chanter. On s'est regardé, on avait la chair de poule, on s'est dit « Ok, on sait qu'on est avec Johnny et c'est vraiment le plus grand interprète. » Voilà, parce que l'aiguille était dans le rouge et on commençait à mettre des compresseurs et à baisser tout parce que tout d'un coup, Johnny était là et c'est là qu'on a c'était vraiment magnifique. On avait la chair de poule. Il y a des moments où on a pleuré. Quand on chante en duo, il chante plus fort et moins loin. On y arrive à deux. Bon, on commence par quoi en fait. Vous en avez vu un extrait dans le Fréquence Star de Laurent Boyer sur M6. En voici rien que pour vous la version en duo, intégrale et complètement inédite. Allumez le feu. Grandir
Oh bah ça allait, ça c'est très bien. Super Steve. Très beau son. Merci Steve. Bon mixage. Pour tous ceux qui l'ont manqué, elle est déjà légendaire. Pour les autres, c'est sans doute l'une des meilleures interviews de Johnny en bientôt 40 ans de carrière. Ça se passait le 19 janvier 1998 sur le plateau de Nulle part ailleurs à Canal+, avec son ami Guillaume Durand évidemment, mais aussi, à la surprise générale, y compris de Johnny lui-même, avec Jean-François Stévenin dans le rôle du vengeur masqué. Merci en tout cas d'être venu. Alors. On va démarrer avec Alexandre, parce que je sais que comme vous revenez de la mer... Si tu commences à me dire vous, oui, d'accord. On va se faire foutre de notre gueule. D'accord. Alors, puisque tu reviens... Non, mais t'as quand même été mon témoin de mariage, on se connaît quand même depuis un paquet d'années maintenant. Alors, passons pour des gens intelligents, pour une fois, et dis-moi-tu. D'accord. Bon. Donc, il y a un moment où j'ai cru que tu allais, je pense beaucoup de gens, rester sur le bateau à l'extérieur de la France, et finalement qu'une certaine lassitude s'était emparée de toi. C'est vrai ou pas ça? Non, j'avais très envie de refaire de la musique, surtout tout simplement. Mmh. J'avais envie de préparer mon spectacle du Stade de France, j'avais envie de refaire un nouvel album. Maintenant, moi, je ne suis qu'un interprète. Il n'y avait pas d'auteur. Il n'y avait pas d'auteur, je n'avais pas de compositeur. Et nous avons rencontré Pascal Obispo et moi. Pour quelqu'un comme moi qui suis un interprète, c'est de plus en plus difficile de trouver des bons auteurs, compositeurs. Mmh. Mais il y en a quand même quelques-uns. Mmh. La preuve, j'ai trouvé Pascal Obispo. Mmh. Mais là, il y a quelque chose dans l'album, on va en parler. On va voir. Il y a quand même un parti pris qui est assez étonnant, c'est celui des cordes. On a plutôt l'habitude de voir Hallyday avec des guitares électriques et pas avec des violons. J'ai trouvé que c'était un disque qui sortait de l'ordinaire. C'est un petit peu une musique et des mots d'amour que je donne aux gens qui m'aiment et que j'aurais beaucoup de plaisir à chanter sur scène. Si je n'ai pas vécu mes excès, si je n'ai rien à dire aux gens, je ne peux pas ressentir dans des chansons, donner des émotions à quelqu'un si je n'ai pas connu l'amour, si je n'ai pas connu le désespoir, si je n'ai pas connu la solitude, si je n'ai pas connu la joie. Tout ça fait que les Français m'aiment bien, je pense, parce que maintenant, ça fait 37 ans que je suis là et que je fais un petit peu partie de leur vie, dans la vie de tous les jours. Mais si, à travers eux, ils ont vécu un petit peu procuration par rapport à moi. C'est-à-dire, si moi, j'avais pas fait tout ça toute ma vie, mais avec mes fantasmes, mes folies, ils n'auraient pas pu vivre à travers moi. Mmh. Merci d'accueillir, de faire un triomphe à Pascal Obispo. Et quand on fait un album comme ça et qu'on sait qu'il va faire le Stade de France et qu'il faut donc... Comment on fabrique l'album pour qu'il y ait à la fois le mélange d'émotions et puis des titres qui font bouger 100 000 personnes, parce qu'il ne faut pas se gourer. Quand on s'est rencontrés à New York, on s'était rencontrés dans le but de faire cet album ensemble et avec, il avait déjà écrit des chansons pour moi, des chansons tendres, enfin des chansons qui font partie de l'album, et dont Eldorado et j'en passe. Et il était en tournée, donc il faut quand même se dire qu'il a pris un avion pour me rejoindre, pour passer une soirée avec moi, me montrer des chansons, qu'on discute un petit peu des chansons, et ensuite le lendemain matin, à 8h du matin, il repartait pour chanter le soir. Mmh. Donc ça, il faut quand même le faire. Mmh. Et dans l'avion, on s'appelle de l'avion, et je lui dis, écoute, c'est formidable que tu m'appelles, parce qu'on a oublié de dire, de parler d'une chose, c'est que mon spectacle va s'appeler Johnny vous met le feu. Il dit, pourquoi on ne ferait pas une chanson qui serait une chanson d'entrée sur scène qui s'appelle Allumer le feu, Allumer le feu. Il dit, écoute, c'est marrant, parce que je t'appelle parce que j'y pensais moi aussi dans l'avion. Alors j'ai appelé Zazie, j'étais entre deux concerts, et puis je lui dis, voilà, fais-moi une chanson pour l'ouverture du Stade de France, et puis le lendemain, c'était fait. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Johnny? Qu'est-ce qu'il représente? C'est difficile de lui la tour Eiffel. Ah mais tourne-toi, mais c'est ça. La tour Eiffel, oui. C'est bien la tour Eiffel, non? Ben, ouais. Je sais pas, c'est le plus grand chanteur de rock'n'roll. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en studio, quand la première fois il est passé derrière le micro, à la première seconde, j'ai compris tout de suite que j'étais avec le plus grand, et donc avec Johnny Hallyday, tout simplement. Une seconde. Alors, allez-y. C'est que les hommes politiques, autant ils sont vrais dans les guignols,
Okay. Autant Johnny, il est vrai quand il est là. Bah écoute, en tout cas, c'est bien. Ici, on peut s'exprimer. D'accord. Ici, c'est bien que tu sois exprimé. Okay. Et je respecte ton C'est sympa, mais je vais dire que comme je profite de l'occasion, parce que les guignols viennent bien, sauf quand ils font Johnny. Ça, sympa. Alors, je vais être très sympa. Rassurez-vous, Canal reste la chaîne des dingues qui s'amuse tous les soirs. Merci mille fois, Johnny, d'être venu. Merci, Pascal, de nous avoir accompagnés. C'est un triomphe à tous les deux. Mais alors, mais dis donc, tu deviens de plus en plus barjot. Comment tu vas? Ça va? Super. Ah, tu m'as fait rire, je m'attendais. Comment tu vas? Bien. Ça va bien? Bien, sauf que je ne te vois pas assez souvent. Un an et demi. Bien, voilà, je vais manger. Et maintenant, le fameux dédicace tour. Nous sommes le 24 janvier, date officielle de la sortie de Ce que je sais. Il est 9h du matin, nous sommes à l'aéroport du Bourget où deux jets Falcon attendent Johnny et toute son équipe. Le premier pour la star et sa garde rapprochée, autrement dit Jean-Claude Camus, Pascal Nègre, Jean-Yves Billet, son caméraman attitré Mister Patrice Golupo et l'indispensable bodyguard Jimmy. Voilà, je réitère. Hein. Donc, avant-dernière voiture Johnny, dernière voiture sécurité, et devant Johnny, une voiture de sécurité. Et vous, prenez le départ, c'est-à-dire du cortège. Hein. Dans le second avion, le groupe des journalistes et des photographes. Première étape, Marseille. Virgin Megastore de Marseille, où les fans attendaient pour certains depuis 5h du matin. La police était sur les dents, mais les 100 heureux détenteurs de leur ticket dédicace sont repartis fous de joie. Et hop, c'est reparti, Refalcon, direction Bordeaux, où l'attendaient des milliers de fans et encore des cadeaux. Thank you.
retour dans l'avion, certains sont victimes d'un petit coup de barre. Ce qui attend Johnny à Paris relève du phénoménal. Il est 18h devant le Virgin Megastore. Les Champs-Élysées sont bloquées. La police craint une émeute, mais les fans d'Hallyday sont beaucoup trop bien élevés pour ça. Ce garçon qui craque s'appelle Gérald. Il est arrivé la veille à 20h pour obtenir un ticket pour la dédicace. On lui a dit « Ah, mais désolé monsieur, les tickets, nous les distribuons demain matin ». Alors Gérald a couché devant la porte du Megastore. Et voilà pourquoi, enfin parvenu en présence de son idole, il a pleuré. Morale de l'histoire, Johnny l'a récompensé pour sa fidélité. Non seulement après la dédicace, il a trinqué avec Gérald, mais en prime, il lui a offert sa place pour le concert du 4 septembre au Stade de France. Quant à Mado, l'une de ses fans les plus fidèles, elle était bien sûr au rendez-vous. Émouvant, non ? Évanouissement, quelques bisous aux fans les plus jeunes et c'est ainsi que se termine une journée historique. Prochaine étape, le Stade de France. Ce que je sais moi, c'est que le millésime 1998 de Johnny restera gravé dans toutes les mémoires. Et votre dernier fan, monsieur. Salut. Salut. Merci à tous. J'ai beaucoup de chance parce que vous êtes un public extraordinaire. Merci pour l'amour que vous me donnez tous les jours. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci d'être venu. Bonsoir. Malgré les insultes et les coups. Oh, que me parle.